On a raison de dire que le jupitérien a une certaine forme d'enflure. Il est marqué, en tout cas, selon moi, par un processus d'aspiration, au sens plein du terme. Il aspire les choses. Il aspire vers lui les gens, il aspire vers lui les documents, les idées, et c'est une sorte de trou noir qui récupère un très grand nombre de choses, ce qui lui permet, à partir du moment où il a le cerveau et le logiciel pour ça, de faire des connexions nouvelles entre des notions qui n'étaient pas mises en relation. Parce que quand vous avez peu de matériel, vous n'allez pas faire beaucoup de connexions intéressantes. Et les connexions que vous allez faire seront toujours plus ou moins tirées par les cheveux. Par contre, si vous avez un très grand nombre de facteurs, vous allez vraiment pouvoir trouver les facteurs qui correspondent bien. Et pas, voilà, à peu près comme ça. C'est comme la différence entre les aspects du thème astral et les transits. Les aspects du thème astral, c'est de l'à peu près. Les transits, c'est, voilà, il y a un transit à tel moment. Et donc, comme je le disais, on reconnaît le jupitérien par la richesse de ses possessions, si on peut dire. Par la richesse des gens qu'il a pu rencontrer, la richesse des choses qu'il a faites, les choses qu'il a réunies, rassemblées. Hein? C'est ce qui caractérise le jupitérien véritable. Il a une capacité d'absorption et d'aspiration assez prodigieuse, mais il n'en a pas beaucoup, il n'a pas forcément le mérite, parce que c'est quelque chose qui lui donnait comme ça, c'est comme si, vous voyez, c'est comme une sorte de centre de gravité qui attire de lui-même les objets ou les gens. Donc, dès qu'ils sont à proximité de ce centre de gravité, ils sont aspirés par le jupitérien. Et ce qui fait qu'il se trouve avec des tas de choses, des tas de gens qui sont venus vers lui, qui sont venus à sa rencontre, sans qu'il l'ait voulu, en fin de compte. Ça lui a été donné. C'est le mot qui, à mon avis, le convient le mieux. C'est pas tellement qu'il va vers les autres, c'est qu'il aspire les autres.